On a le droit de faire des variantes, on a le droit de faire des variantes. Salut les petits culs, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de Nico Delamore sur NGL Biathlon. On arrive vraiment à un moment très important de la saison, à savoir le championnat du monde, qui est une étape où on fait toutes les potentielles courses du biathlon. Dans une seule étape. Le reste du temps, c'est de manière aléatoire, voilà, c'est disséminé. Nous, on a décidé de faire 6 étapes dans l'année, dont une qui est donc l'étape de championnat du monde. Pour le moment, on a fait un mixte relais plutôt catastrophique. Enfin, on a rattrapé comme on a pu. Mais bon, le mixte relais, on n'y attendait rien, on va pas se mentir. Alors que là, le sprint, la poursuite, l'individuel, single mix relais, on n'attend rien. Relais, on espère au moins faire une bonne position, tu vois, un 6e, 7e, peut-être 5e, si on sait jamais. Et là, ma start, nous, on espère avoir des médailles de champion du monde. On espère être champion du monde. Et ça peut être aujourd'hui, ça peut être sur cette vidéo. Tu peux voir Nico champion du monde aujourd'hui. Tu peux voir Nico champion du monde. Donc, il y a le championnat du monde où tu peux être champion du monde, mais il y a également la coupe du monde où tu peux être champion du monde aussi. Et là, sur cette coupe du monde, on a 427 points. On a donc 28 points de retard sur le leader Samuelsson qui nous avait damé le pion la dernière fois. Quand c'est pas lui, c'est l'autre. Je ne sais pas si ça met des points. On va vérifier tout de suite. Ça va nous permettre de vérifier ça. Et on démarre tout de suite sur cette épreuve de sprint. C'est donc 3 tours, un couché, un debout, pleine balle. Et le sprint implique la poursuite. Donc il faut faire partie des 21 premiers du sprint pour se qualifier en poursuite. Et après en poursuite, ça sera 5 tours avec 2 couchés, 2 debout. Faut éviter les conneries. On espère que ça va bien se passer. On n'en sait rien, mais on espère que ça va bien se passer. Je vois quoi. Je vois Didier. Didier, le farteur, qui de temps en temps fait quand même des conneries. Globalement, c'est une connerie sur... par course, ce qui est quand même beaucoup par rapport au niveau de que nous on espère faire. Vericold, on est comment sur Vericold, et il n'y a pas de neige. On va assurer, malheureusement on est obligé d'assurer, on va prendre des masses tornado. Les tornados qui font entre moins 10 et moins 16, si vous voyez moins ou plus, on est dans la merde. Les masses tornado, tornado, moins 10, moins 16, vieille neige, on est bien en vieille neige. Non, on est bien en vieille neige. Ah, je préfère vérifier. Non, parce que tu sais, quand t'as Didier, oui, faut mieux vérifier, non? Non, parce que tu en fais des conneries, globalement. Moins 10, moins 16, on est bon? Sûr? Il va pas faire genre moins 8 degrés? Pas sûr, le mec me regarde. Un lapin dans les phares. Le veau dans la luzerne. Bon. Allez. Allez, mon petit. Sprint, l'avantage. Ah oui, j'ai mis aléatoire. Merde, j'aurais dû mettre... Merde. Moins 13. Bon, on est bon. On est bon en termes de temps, mais ça va évoluer parce que là, on laisse passer beaucoup de mecs. Donc, il fera pas moins 13 au moment où on va passer. Il peut faire moins 13, mais il peut. Ça peut évoluer, quoi. Fait moins 10. Oh putain. Oh putain. Je vous jure que s'il fait moins 9, je vous jure, Didier, je le vire. Je le vire là, avant la fin des championnats. Non, je pense que vraiment, je le vire avant la fin. On change de mec. On passe sur Bernard, j'en sais rien, mais on change de mec, quoi. On va chez Decathlon, on trouve un gars avec un peu de talent. Non, parce que là, je peux plus, quoi. Moi, je veux bien faire des efforts et tout, récupérer des mecs et tout, mais là, Didier, c'est plus possible. Didier, c'est plus possible de faire ça. Allez, sur l'esquisse, c'est pas mal, moins 11. Moins 11, ça va. Un peu de fraîcheur, c'est ce qu'il nous faut. Un peu de fraîcheur, voilà. Pas plus, pas moins. Un petit peu de fraîcheur, on récupère un peu d'énergie. Tac, on s'envoie fort dans la descente. On s'envoie fort. On prend le côté bien courbé. On prend le côté bien pentu. Là. Hop là, et on se relève. On récupère un peu, on accélère un peu, on est agressif, et là on va monter. Et là on est monstrueux là. Et là on montre qu'on est présent là. Vous êtes qui vous monsieur? Vous êtes qui? On vous déborde là. Voilà. Bon, franchement, on est plus rapide que Johannes Bö, je vais pas vous mentir que c'est pas mal. En termes de biathlon, Johannes Bö, c'est pas dégueu quoi. C'est à 2-3. Il a un petit CV le gars quoi. Je dis pas que c'est le meilleur joueur du monde, mais petit CV quand même. Petit CV. Je dis pas, hein. Petit CV. Les petits à-coups là. 194 de BPM, je m'en bats les couilles, on tire. On a plus le choix, tu vois, on est obligé de tirer avec beaucoup d'énergie. Enfin, avec beaucoup de BPM. On est obligé. Là, on va tirer loin, on a le temps de le faire baisser. J'espère à 180, 185, ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée, 185, allez. Allez, on va tirer couché. Il y a deux tirs. Hein. Ça fait putain de chier.
On va aller te faire un tour. Putain, tu vois, on serait sorti avec moins 5. Putain, on aurait eu... on serait sorti devant. On serait sorti devant. Là, il faut qu'il y ait d'autres erreurs. Il faut qu'il y ait d'autres erreurs parce que nous, on n'a pas été bons. On n'a vraiment pas été bons. Puis là, j'ai bien consommé ma barre d'énergie. On est dixième. Oh, on est dixième alors que tout le monde n'est pas passé. C'est la merde. Ah là, vraiment, premier duck, c'est la merde. Attends, mais une erreur, on est dixième, mais c'est trop. Va falloir qu'on fasse zéro erreur sur le debout. Zéro erreur sur le debout, ou alors on dit adieu à la poursuite du championnat du monde. Déjà, on a dit adieu au podium, déjà. On va pas se mentir, je vais pas faire le mec. Non, on a dit adieu au podium. Oh putain, sérieux. Non, bordel, je suis deg. Non, on prend les boudins. Non. Mais il nous a poussé. Il nous a poussé, l'autre connard, là. Putain, il nous a poussé. Mais c'est trop. Mais pourquoi il fait ça? Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Aucun honneur. Aucune dignité. Pourquoi il nous pousse? Mais non, on a perdu 0,5 au moins. Mais non. Mais non, mais vous avez vu, monsieur l'arbitre? Mais c'est scandaleux de voir ça. On est au championnat du monde, là. C'est fou, il nous pousse dans les boudins. J'ai envie de vomir. Vous avez vu, j'ai eu des relents, j'ai envie de vomir. Ok, bizarre. Bon. Bon, on est arrivé peut-être avec trop de pulsations. Faut que j'essaye de tirer plus vite, là. Je tire un peu comme un enfant, là. Je tire gentiment. Oh là là, il y a des petits types devant moi. Hein. Ça fait plaisir. Ah, mais faut que je tire un peu plus fort, là. On est pas très très loin. On rentre quand même avec... on est pas mal, il y a eu des erreurs. Ça veut dire qu'il y a eu des erreurs. On est pas si mal, en fait. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Allez. Et ça, c'est très très bon. Et ça, c'est très très bon. Allez, allez, sors de là, sors de là. Il nous faut quelque chose. Allez, 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 on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Je disais pas de médaille d'or, mais on n'en sait rien. On n'en sait rien pour le moment. On n'en sait rien. Il y aura du monde derrière, il y aura du monde derrière. Donc peut-être un podium, peut-être un podium. C'est ça qu'on veut, une médaille, une breloque. La petite breloque sur le championnat du monde, ça se prend une breloque. Ça se prend une breloque au championnat du monde. Alors on sait que nous, on a bien tartiné pour revenir. On a tartiné bien fort, on a quand même 4 secondes sur Beu, c'est quand même pas de la merde. On a 4 secondes et demie sur Samuelsson, je veux bien qu'il nous rattrape. Je veux bien qu'il nous prenne un peu de secondes là. Et tout le monde a fait une erreur, tout le monde a fait une erreur. C'est ça qui est important, c'est que tout le monde a fait une erreur. Et ouais, mais c'est ça la vie. La vie c'est ça, la vie c'est faire des erreurs parfois. C'est faire des erreurs, c'est les assumer. Là on a bien pris plus large parce qu'on veut pas éviter, enfin, on veut pas prendre le boudin. On a plus que 4 secondes d'avance, plus que 4 secondes d'avance. On l'a vu qu'ils étaient plus rapides que nous. Ils sont plus rapides que nous sur le deuxième tour, ils en ont mis un peu plus. Allez, nous on attaque, nous on attaque, nous on attaque, nous on n'a pas peur, nous on n'a pas peur. Qui a peur est un peureux. Qui a peur est un peureux. Allez, on récupère un petit peu d'énergie. Ouais, putain, il récupère si fort. Putain, sérieux. Putain, mais j'ai l'impression que... Genre vraiment, ils sont des machines, quoi. Genre, en un tour, ils vont nous mettre je sais pas combien. Allez, on n'a plus rien. On n'a plus d'énergie. On termine tant bien que mal. On essaye de terminer le plus vite possible. Il y a 10 secondes pour passer la ligne. 10 secondes pour passer la ligne, ça me semble compliqué. Ça me semble vraiment compliqué. Ça me semble très compliqué, mais peut-être... 2 secondes 9. Tout le monde n'est pas passé, mais déjà, mais Samuelsson et Johannes Bø derrière nous. C'est pas mal. C'est pas mal. Belle fin, ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est mon Nico, ça. Bon, alors, il reste bien évidemment Emilien Jacquelin, qui est un monstre. Mais Johannes Dalleux est là, il est pas... Oh là là, il est passé complètement à côté. Tout le monde a fait une erreur. C'est simple, hein. Le mec qui aura pas fait d'erreur va nous passer devant. On va regarder le broadcast, bien sûr. On va regarder le broadcast. On va voir, dès que vous voyez un maillot jaune arriver, c'est globalement... Il y a peut-être Emilien qui va arriver, vous voyez peut-être un maillot jaune. Un Martin Fourcade qui est là, il n'y a pas de maillot doré. Pour le moment, il n'est pas encore arrivé, Emilien. On est toujours pour le podium. On est podium, on est même médaille d'or. Ah, il arrive, il a... non, c'est pas lui. Ponsignoma est derrière aussi. Ouais, on dira pas les mots, mais on l'aime pas trop. Il est où, Emilien? Emilien, toujours pas arrivé. Emilien, il va nous faire mal. Pour le moment, on tient. Il est où, Emilien? Il est toujours pas arrivé. Oh là 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 là, ce suspense est monumental. Alors peut-être, on va être sur le podium. On est à quelle place? Emilien est arrivé.
Il m'y est arrivé, c'est peut-être un titre de champion du monde. C'est peut-être un titre de champion du monde. C'est peut-être un titre de champion du monde malgré la première erreur. C'est potentiellement, il reste un mec, il reste deux mecs. Il reste deux mecs, c'est potentiellement un titre de champion du monde. C'est potentiellement un titre de champion du monde. Ils vont arriver sur la map là-bas, ils sont sur la map là-bas, ils arrivent. Ils arrivent, on voit qu'il a été médaillé. On voit qu'il a déjà une médaille, est-ce que nous on va en avoir une? Let's go. Campeón del mundo. Campeón del mundo. Campeón. Campeón. Campeón del mundo. Let's go. Putain, j'y croyais pas, bordel. J'y croyais pas, putain, on a été fort. Enfin, sur les skis, hein. Sur les skis, on a tenu la dragée haute à notre ami Johannes. Mais surtout sur le tir, putain, on a été hyper rapide, en fait. Putain, moi qui pensais tirer comme un prince, comme un sénateur. Attends, meilleur sur les skis, meilleur sur le tir, au bout d'un moment, bon bah voilà, quoi. Sur le range, on a rien perdu parce que j'ai accéléré comme un âne. Putain, c'est bon, ça. Ouh. Alors, du coup, on va partir en tête sur la poursuite. Bon, tête de rien, mais en tête quand même. Oh là 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 là, c'est déjà une vidéo exceptionnelle. On est déjà officiellement dans nos trophées. Il y aura quoi qu'il en saison 2, on verra plus tard. Il y aura quoi qu'il. Quoi qu'il, quand tu vois les médailles score. Il y aura quoi qu'il en Coupe du Monde. En Coupe. Non. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Ah ouais, non, si c'est ça, mais en gros. En gros, c'est pas ça que je voulais montrer. En gros, c'est dans les résultats, quoi qu'il, on sera champion du monde. On a un titre de champion du monde, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Est-ce que dans le total score, on a mis des points? Non. Donc ça ne change pas. Le championnat du monde n'influe pas sur la Coupe du Monde. C'est ce que je voulais vérifier. C'est vérifié. Il nous reste la poursuite. On peut peut-être faire un doublé. Ça peut être une vidéo historique. Il fait froid, il y a de la neige. Il fait froid, il y a de la neige. Snow avec neige. Snow. Snow. Cold. Cold avec neige. On va assurer. On va assurer quand même parce qu'on est en poursuite. On assure. Rosengel Xeno 1. Rosengel Xeno 1 entre moins 4 degrés, moins 10 degrés. Moins 4, moins 10. Faut pas qu'il fasse plus que moins 10. Sinon, vraiment, on est dans la merde. On n'a pas le... On a la possibilité de prendre quelque chose de plus large. C'est une poursuite, ça dure plus longtemps, on va peut-être être plus malin. On va essayer de faire un moins 6, moins 14. Moins 6, moins 14, ça nous met... C'est Hamilton Evolution 3. On ira moins vite sur les skis. Moins 6, moins 14, 3% seulement, au lieu de 4%. Mais s'il fait plus frais, on est bon. S'il fait par contre moins 5 degrés, on l'a dans le cul. Mais genre dans le cul bien, quoi. Mais là, on prend le risque. On prend le risque. On prend les Hamilton Evolution 3. Allez, allez, c'est pas grave. On prend moins 6, moins 14. Moins 6, moins 14. Il fait combien? Moins 8. C'est pile poil au milieu. C'est pile poil au milieu. Mais ça dure longtemps une poursuite. Ça dure longtemps une poursuite. Et on part en tête de la poursuite. Hein. C'est ça qui est beau. Et après, ça va partir à une seconde et quelques de nous. Nous, on n'est pas obligé d'accélérer au début, tu vois. Sur ce tour, on va économiser. On va essayer de faire une course intelligente. On va essayer de faire une course intelligente. On va essayer. Didier, voilà. Didier a pris l'assurance. On a pris l'option... défensive. Je choisis l'option défensive. On a pris, voilà, on a voulu assurer. Voilà, et là on glisse. De toute manière, ça joue un peu sur le tir, tu vois. On a un petit peu d'avance sur les mecs. Hop là, hop, et là on accélère. Et là on accélère. On va voir sur le premier point de contrôle là, le premier checkpoint. On a 2 secondes 5. Donc déjà, par rapport à Martin Fourcade, on est mieux. Même si Martin, bien évidemment, c'est un prince et on le respecte. Moins 9, moins 9. Donc il fait plus froid. Donc pour le moment, on a eu raison. Pour le moment, on a eu raison. Sachant que ça peut augmenter, hein. Là-dessus, on n'accélère pas. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin. C'est à eux de se cramer, c'est pas à nous. C'est à eux de se cramer, c'est pas à nous. Un peu là, là quand même, on prend à la corde, on prend à la corde et on accélère. On a pris à la corde, on accélère, on va directement, on plonge sur le deuxième checkpoint. On plonge sur le deuxième, on avait 2 secondes 5 d'avance. Sur Martin, Martin, c'est à 4 secondes, 4 secondes. On est en train de tuer le concours. Non, je déconne, il y a tellement, ça dure tellement longtemps, tu fais 2 erreurs, c'est fini quoi. On est bien, sans trop consommer cette grosse barre d'énergie, cette grosse barre bleue comme on aime l'appeler. La grosse barre bleue, la veineuse, bien sûr. Putain, je suis excité. Je suis à un niveau d'excitation. On est quoi qu'il champion du monde. On a quoi qu'il remporté lors de notre première saison une médaille de champion du monde. Donc c'est beau. Allez, allez, on accélère un petit peu pour le range. On accélère un petit peu, voilà, histoire de rentrer sur le pas de tir. On sait qu'on va aller loin de toute manière. Ouh là là, on a accéléré fort, un peu trop fort, là, peut-être la boulette. Hein. Donc ça descend sous les 80, sous les 190 BPM là. 186, allez, s'il te plaît.
On est bon, et on met la pression sur Jacquelin, on met la pression sur Beu, on met la pression sur Foncat qui se rate. Les autres vont pas se rater, ça se rate pas du côté de Jacquelin et de Johannes. Hein. Ça ne se rate pas du côté de... Ça s'est raté du côté de Samuelsson, ça se rate du côté de Posignoma. Est-ce que les serres se ratent? Allez, c'est potentiellement podium. 4 secondes, on conserve nos 4 secondes. Après, ils sont plus rapides hein, sur les skis, les deux. Hein. Johannes et Emilien, ils sont plus rapides. On mise plutôt une erreur des deux. Nous, sur les tirs, en plus, on a pris relativement du temps, ils ont pris des risques. Et qu'ils en prennent des risques, qu'ils en prennent. C'est pas grave. Normalement, en plus, pour me rattraper, ils vont être obligés de tartiner un peu plus sur les skis que moi. On avait 4 secondes 5 à peu près. 4 secondes 3. Voilà, ça revient, mais c'est léger. Je pense qu'ils donnent pas tout sur les premiers tours. Naturellement, ils donnent pas tout sur les premiers tours. Alors que nous, bon, on est correct aussi, on donne pas tout. Là, on va rien donner, tu vois. Là, on va rien donner, on garde notre barre. Juste, on va donner dans cette montée. Et on est au cordeau. Et on y va. Et on trace tout droit, Tac, petit Axel. Ouais, on l'utilise pas assez, celle-là. On l'utilise pas assez, mais on la garde un petit peu sous le coude. 133, 1, 27 km/h. 27 km/h. Allez, petit Axel là, avant de se jeter dedans. Allez, 4 secondes 9. En plus, on gagne. On gagne un petit peu de temps, c'est propre. C'est propre ce qu'il fait, là, notre ami Nico, là. C'est propre ce qu'il fait. 4 secondes 9, c'est pas mal. Ça va dépendre de notre puissance au tir. Et là, on va glisser. Là, on va couler. C'est comment? Ça monte, là, tout doucement. On est pas mal. L'objectif, c'est de s'installer, d'envoyer deux, trois premières balles. Bonnes, idéalement, de blanchir les cibles pour leur mettre une petite pression. On est descendu à 180 BPM. On va se mettre un petit coup d'Axel. Ça va nous faire monter un petit peu à 190. Voilà, mais on va redescendre. On a mis un petit coup sur le range un peu, tu vois. Toujours, hein. Un petit peu joueur, le Nico. Allez. Deuxième coucher. Faut assurer. Pas d'erreur. C'est monumental, c'est très rapide, c'est un tir exceptionnel. Et voilà, et Jacquelin, ça lui a mis la pression, il a fait une erreur. Et Johannes, il a fait une erreur aussi. Alors peut-être. Putain, j'ai appuyé sur le bouton parce que d'habitude en stream j'ai le son. Mais là, je l'ai absolument pas. Alors là, on est bien. Là, on est bien, il nous reste deux debout, on va pas forcer. Hein. On va pas forcer sur les skis. Alors attention, on va pas non plus faire n'importe quoi. Mais regarde l'avance qu'on a. 15 secondes sur Jacquelin. On est en train de tuer le concours. Putain, il y a un titre de champion du monde. Je vais pas me mettre la pression, il y a un titre de champion du monde. Je me mets pas la pression. Il y a un putain de titre de champion du monde. Enfin, les performances sont bonnes, moins 10 degrés pour le moment au niveau du... Ah, c'est le travail d'une équipe. Et voilà, je lui ai fait des menaces à Didier. Mais là, finalement, on a ski intelligent. On a fait des choix intelligents, on a pris plutôt large, on sait que c'est une course qui se joue sur la longueur. Ah, des fois, c'est pas la taille qui compte, mais là, un petit peu quand même. Comme souvent d'ailleurs, ça joue un petit peu quand même. Pas, ça fait pas tout, mais ça compte un petit peu quand même. C'est l'histoire. Bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça, mais... Bon, allez, et il reste encore 2 tours après derrière. Il reste 2 tours et ma barre quand même d'énergie est très très basse. Bon, là, on peut se permettre de faire des erreurs. Mais, si on veut être champion du monde, si on fait un 5 sur 5 là, en vrai, c'est pas mal du tout, quoi. En vrai, normalement, on assure le podium sûr. Parce que là, on a quoi? 28 secondes sur Martin Foncal, qui est 4e. On a 16 secondes avant de rentrer sur le pas de tir. Rien ne dit qu'ils vont pas faire d'erreur. Ils sont peut-être impressionnés par l'événement. Ils sont peut-être tendus. Ils ont peut-être des petits soucis. Voilà. Allez, nous, on y va. Sur de nos forces. On en met une à côté, c'est pas grave. On repart, ils sont pas là. Hop là, Jacquelin, il va pour tirer. On va perdre un petit peu de temps. Jacquelin qui a pas encore tiré. C'est pas grave, celui-là, c'était du bonus. Ah, Jacquelin qui fait une erreur en plus. Et voilà, ça nous a rien coûté. Il fait 2 erreurs en plus. Mais c'est super ça. C'est super. Johannes, il est encore sur le pas de tir. Il a fait une erreur en plus. Bon, attendez. Ils la veulent pas, la breloque, en fait. Ils la veulent pas. Attendez. Mais qu'est-ce que c'est que ces mecs? Ils sont au courant qu'il y a un titre de champion du monde à aller chercher ou quoi, là? Qu'est-ce que c'est que ces mecs? Mec, j'accélère même pas. Tu sais quoi, J'ai tellement d'avance. Regardez la minimap à côté. J'ai tellement d'avance. Mec, j'ai une piste. Je vais tous vous rattraper. Je vous mets un tour à tous là.
Mais c'est fou d'avoir autant d'avance comme ça, ça devrait pas être légal. Regarde-moi ça, ils arrivent même pas à calculer. Ils arrivent même pas à calculer combien de temps il reste. Regarde-moi ça, j'ai déjà fait 12 montées là. Je suis déjà au prochain checkpoint. C'est trop ce qu'ils font là, les nulos là. Les nulos! Et pourtant, on est pas plus exceptionnel que ça, tu vois. C'est juste qu'à un moment donné, voilà, on a vu qu'il y avait des cibles, voilà, on tire dedans, quoi, tu vois. Différence entre le bon biathlète et le mauvais biathlète, tu connais, quoi. Il y a des cibles, bon, tu tires dedans. Bon, quoi, d'ores et déjà, cette vidéo est exceptionnelle. On a rarement vu une domination comme ça, sans partage. Sans partage, cette domination. 23 secondes d'avance. 23 secondes d'avance. What a player. What a man. What a legging. Allez. Allez, 23 secondes, hein, toujours. 23, 26, 30 secondes d'avance sur le podium, bien sûr. Et on arrive sur ce dernier tir. On pourrait tirer à côté de partout, que ça serait pareil. On va peut-être pas en foutre 5 dehors, quand même. Ça serait le coup de clim terrible. On va en mettre au moins 2, hein. Non, faut pas déconner. Ah, j'ai voulu tirer vite. J'ai voulu tirer vite. Parce qu'en plus, si on tire vite, qu'est-ce que tu veux qu'ils foutent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils foutent? Là, c'est une énorme pression. Moi, je fais un tour d'anneau. Ils se disent, ah, le con, il fait un tour d'anneau. Mais je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je peux vous attendre, là. Je pourrais faire un autre tour d'anneau. Je pourrais vous attendre, là. Emilien Jacquelin se présente sur le pas de tir, alors que moi, je vais aller chercher ma médaille. Je vais chercher ma médaille. Moi, j'y vais, mon gars. J'y vais, là, chercher. Attention, quand même. Attention, quand même. Il fait un sans faute. Ah, mais là, normalement, attends, j'ai une montée d'avance. Je te jure que s'il me rattrape, je deviens fou. On va accélérer quand même. Non mais non, 16 secondes. 16 secondes, mec, il va pas me reprendre 16 secondes. Ah, je veux. Enfin, attendez, 16 secondes, c'est. 16 secondes quand même. Moi, je veux bien qu'il me reprenne un peu, mais 16 secondes. On va faire gaffe quand même. Bon, normalement, c'est cuit. Normalement, c'est cuit. Hein. Normalement, c'est cuit. Bon, j'avoue qu'on a. On a géré, mais on a surtout. Profiter de leurs erreurs. On va pas se mentir. On va pas se cacher derrière, voilà. On va pas être de mauvaise foi comme un. Comme un certain youtubeur qui fait également du biathlon, Arthur Route là, Arthur Rache, je sais plus comment il s'appelle celui-là là. Je sais pas très bien ce youtubeur obscur. Arthur Rouille. Peut-être qu'un jour je contesterai, je lui mettrai une énorme branlée sur le NGL. Pour qu'il comprenne quoi. Juste pour qu'il comprenne en fait. Alors que nous, on va chercher notre deuxième médaille de champion du monde. Champion du monde. Une nouvelle fois. Champion du monde. Champion du monde. Champion du monde. Champion du monde. Il est champion du monde. Il est champion. Champion du monde. Nico Delamont. Il est champion du monde. Il est champion, 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 il est champion du monde. Regarde-moi ces stats. Non mais sérieusement, on les a ouverts en deux. Sur les stats, on est premier partout. We are first everywhere. We are first everywhere. Regardez-moi ça, double champion du monde. La prochaine vidéo, on va se taper l'individuel et le relais masque. Non, et le... Ah merde, c'est le single... Ah, et un relais un peu désagréable. Le single mixte. C'est-à-dire la même femme qui part, moi je pars, la même femme, moi je repars. Bon, il va y avoir une course très intéressante de l'individuel. Le single mixte, vous allez voir, ça va être un moment de souffrance, un moment de douleur. On va le passer ensemble, on va se serrer les couilles et ça va bien se passer. Merci d'avoir suivi, bien évidemment, cet épisode. Rendez-vous au prochain épisode de Nico Delamort. Le pouce bleu, le like, le commentaire, le ce que tu veux. Tu fais comme tu veux de toute manière. Je crois que tout... En fait, en vrai, moi, ça me saoule quand je l'entends. Mais naturellement, tu le dis. Je sais pas si c'est très malin. Bon, allez, je vous fais des bisous. Ciao les potes. Nico est double champion du monde.